Allô? Oui, Eric, tu m'entends? Comment? Eric, tu m'entends? C'est Robert. Allô, c'est... Ah, vous avez dû vous tromper de numéro! Allô, je ne suis pas c'est Eric Tabarly. Ah, oui, mais il n'habite pas ici. Allô? Allô, oui? Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Surtout ne coupez pas, madame, hein. Je demande sans lice radio, là, c'est le navigateur Robert Ledoux, là, vous m'entendez? Oui, oui, mais moi, je ne suis pas Eric Tabarly. Ah bon, vous n'êtes pas Tabarly? Si, je suis Tabarly. Mais vous êtes de sa famille? Oui, bien sûr. Non, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai, oui. Ah ben alors, vous devez me connaître, madame, hein. Je suis monsieur Robert Ledoux, j'étais coéquipier d'Eric il y a pas mal d'années, là. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les deux premiers Pendwick. Ah, très bien. Vous me voyez, non? Vous voyez qui je suis? Non, mais vous voulez finalement lui parler à lui? Mais je suis en difficulté, je suis sur un catamaran, j'ai un problème pour joindre Sanlis Radio. Et ah, c'est, voilà. C'est pas moi qui pourrais vous le dire. Est-ce que je peux utiliser votre DIN pour atteindre Sanlis Radio? Mais qu'est-ce que c'est, Sanlis Radio? La radio, vous savez, des marins, la radio. Oui. Hein? Oui, oui, alors, oui. Vous leur dites que... Mais il y a certainement des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour allô? Oui? Je suis attaqué par des morses, vous savez, les phoques des mers, les éléphants de mer, là. Ah bon? Ils m'ont attaqué, ils ont fait une voie d'eau à l'avant, là, je suis sur un catamaran, hein. Oui? Et les morses ont crevé mes boudins de catamaran. Oui? Et là, je suis entouré, je suis au milieu d'un troupeau d'éléphants de mer, là, quoi. Oh. Alors j'arrive pas, je sais pas comment faire évidemment, parce que je sais pas si c'est gentil ou méchant, parce que ça fait deux jours que je suis au milieu du troupeau d'éléphants de mer, je peux plus bouger moi. Oh. Je suis au sud des Açores et j'ai besoin de joindre Sanlis Radio. Ne quittez pas, on va faire un essai. Vous me dites si vous avez Sanlis Radio, hein. Ne bon. Quittez pas. Sanlis, je réclame Sanlis Radio. Allô, Sanlis Radio, j'écoute. Allô. Allô, oui. Oui, Sanlis Radio, j'écoute, madame. Écoutez, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit de servir d'intermédiaire entre lui, qui est paraît-il sur un bateau, et moi. Ah, allô. Sanlis Radio. Attendez, quittez pas, hein. Il est en difficulté, madame? Oui, mais alors moi, ce que je trouve étonnant, c'est que il m'ait appelé moi. Bah écoutez, madame, je ne sais pas, moi, vous êtes dans la marine, non? Oh ben, j'ai un neveu, oui, qui est Eric Tabarly. Ah, vous êtes la tante d'Eric Tabarly? Oui. Ah bah oui, mais alors là, est-ce qu'il vous a parlé de la balise, madame? Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel... Il m'a rien dit. Son nom? Alors, Robert Ledoux. Ah merde. Comment? Ah merde, vous êtes sûr, hein? Ah bah oui, il me l'a dit, son nom. Ah ouais, c'est un... Et alors, bon, il faut que je vous dise, alors il est entouré d'éléphants de mer, je sais pas quoi, tout un troupeau qui est autour de son bateau. Pardon? Des éléphants de mer... Qui sont autour de son bateau. Oui. Qui sont à l'attaquer. Oui. Et ils sont très nombreux. Mm-hmm. Et ils voudraient savoir si c'est dangereux. Alors écoutez, première question. Vous lui demandez s'il a fumé du hashish. Ah bon? Ah oui, ça, oui, oui. D'accord. Bon, bah alors je lui redemande. Oh, les saloperies de bête, là. Allô? Allô? Allô, oui. Alors, on m'a demandé si vous aviez fumé du hashish. Vous voyez peut-être des éléphants de mer alors qu'il n'y en a pas. Vous croyez? Bah, ça me paraît bizarre que vous soyez autour d'un troupeau d'éléphants de mer. Attendez, y a un monsieur qui arrive là. Bah, donc vous n'êtes pas sur un bateau. Quelqu'un qui me demande quelque chose, je ne comprends pas. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Monsieur Julien, l'appareil directeur des Galeries Lafayette, à qui ai-je l'honneur? Eh bien, écoutez-moi, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit qu'il est en mer, avec des éléphants de mer qui l'attaquent, Il est attaqué par qui, madame? Des éléphants de mer. Excusez-moi, madame, de vous demander ça. Je peux vous poser une question, non? Si vous voulez. Vous avez fumé du hashish, non? Ah, moi, non. Vous êtes certaine, hein? Oui, certaine. Ah. Bon, alors, écoutez, je crois qu'on va en rester là, parce que c'est une blague. Oui, c'est une blague pour la radio Europe 1. Comment? C'est une blague pour Europe 1, la radio. Oh! Et... Incroyable! Vous avez été formidable, madame Tabarly. Ah ben... Eh bien, alors, les éléphants de mer, je m'en souviendrai.